Mais arrête! Ouais. Mais arrête! C'est pas possible! Comment veux-tu que j'arrive à synchroniser après? Merci, c'est moi qui claque. Donc, coucou les Mansa, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. J'ai pas dit bonjour eux. Voilà, une vidéo que vous nous avez demandé. Oui, voilà. Pendant live même. On va customiser des chaussures blanches. Des baskets. On a pris deux types un peu différents, on va dire, parce que moi j'ai des petits dessins déjà sur la mienne. Ouais. Alors que toi, elles sont... Ouais, c'est tout lisse. Tout lisse. Donc pour ça, on utilise des feutres Printer de chez Printpinter, de chez Pilote, et vous pouvez aussi utiliser des Posca. Tout à fait, et on va voir ce qu'on arrive à faire, parce qu'il y en a qui font des trucs stylés, on a quelques idées, mais on va voir ce que ça va donner au bout du compte. C'est un peu un test, on ne l'a jamais fait. Moi j'ai mon idée, je voudrais faire un peu avec des feutres un peu brillants, un dégradé de couleur, en coloriant les petites cases qu'il y a sur mes baskets, et après refaire les sillons, peut-être en doré, je ne suis pas sûre, on verra bien. Donc voilà, j'ai mon idée dans ma tête, ça rentrait bien, mais est-ce que ça rendra bien? En vrai, c'est une autre histoire. Voilà. Et moi je voudrais faire un truc plus graphique, quasiment sans couleur, juste avec du noir et des traits, enfin voilà, plein de formes un peu différentes. Et bah, c'est pareil, j'ai mon idée sur le papier, enfin dans ma tête ça rend bien, mais en vrai, est-ce que ça va rendre bien, c'est tout à fait autre chose. Donc je propose que l'on démarre. Go! Du coup, moi je vais commencer par retirer les lacets en fait. Ouais, moi je vais faire la même chose. C'est simple sans les lacets. Alors je suis tout coupé moi par contre. T'es tout petite? Je crois que je vais quand même aller chercher un tabouret, je voulais faire debout, mais je crois que je vais m'asseoir. On a dit qu'on faisait une vidéo sérieuse, du coup je vais pas lui gribouiller ses chaussures, mais on aurait pu commencer comme ça. Salut! Ma languette, elle est difforme. Comme ta tête! Ah! Pardon. Je sais pas pourquoi ça t'agresse, mais j'avais envie. C'est très long de retirer des lacets. Alors on l'a pas fait avec des Air Force One, c'est méga à la mode en ce moment sur les Air Force One. Mais on a choisi autre chose. Voilà, c'est ça. Et tu check, et tu check, et tu prépare. Bah pour l'instant ça va, mais combien de temps ça va aller, je ne sais pas. Je crois que vous nous avez jamais vu autant se concentrer et sérieux dans une vidéo, c'est pas possible. Pourquoi on a trop peur de louper? C'est ça. Non, parce que demain on doit mettre chacun nos chaussures pour aller travailler. Donc toi tu travailles. Moi je travaille de la maison donc ça va, ça me pose pas de problème même si je les foire. Eh mais moi pour l'instant je suis à peu près content de ce que je fais en vrai. Donc, toi je pense que ça peut aller. Ça va au final. Ça peut aller. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà customisé des chaussures et n'hésitez pas à nous envoyer des photos soit par mail, soit sur Insta, soit sur YouTube, ah non, soit sur Facebook, pardon. En fait, moi, on dirait des chaussures de bowling. J'avoue que c'est un peu ça là que t'es en train de nous faire. Voilà, je fais des chaussures de bowling. Et en vrai, moi, je suis assez content pour l'instant. Regardez-moi ça. Ça rend plutôt bien. Bah ouais, carrément. Alors que toi, on dirait vraiment des chaussures de bowling. Non, mais je suis content du coup de mon idée. Et bah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un bowling qui va voir ça, qui va m'en commander. Tu crois? T'imagines? Je voudrais 150 paires de chaussures. Alors, 10, 142, 50, 60. Enfin, celui qui me dit 60. Julie, elle a trouvé la seule pointure improbable. 60, je pense même pas que ça existe. T'imagines le temps de faire la chaussure, quoi? Qui met du 60? Non, mais ouais. Déjà, moi j'ai des grands pieds, je mets du 46. D'ailleurs, c'est du 45 tes baskets. T'auras mal au pied dedans. J'y crois pas, elle a même pas ton pointure. J'ai cherché dans tout le magasin, il n'y avait aucune paire de baskets en 46. Et du coup, t'as pris du 45 quoi. Bah, genre, ouais. Tant pis, on va lui couper les pieds. Non, mais j'y crois pas. Les orteils. Je paierai un peu les orteils, non, mais sérieusement. Surtout si vous n'avez pas le droit de dessiner sur vos chaussures. Oui, ne le faites pas. Hein. Nous, c'est des baskets qu'on a achetées exprès pour faire ça. Hein. Quelle est ta plus grosse honte de chaussures? Ma plus grosse honte de chaussures? Ouais. Je suis en train de réfléchir, mais je n'ai jamais rêvé de trucs bizarres avec des chaussures. Moi, ma plus grosse honte de chaussures, c'était il n'y a pas si longtemps, j'avais repris les cours. Mais non, mais oui, cette anecdote. J'avais repris les cours, donc une formation. Et là, j'arrive, je me prépare le matin, je mets mes chaussures, il fait noir, tout ça. Et j'arrive en cours, et là,
j'avais une chaussure bleue et une chaussure noire. Et le pire en plus, c'est que cette journée-là, on faisait des trucs de théâtre sur scène et tout. Je me suis fait afficher, j'étais trop dégoûtée. Mais bon, ça va, elles étaient à la même hauteur, elles avaient un petit talon, mais c'était pile poil la même hauteur. Pour l'instant, ça va. Fière. Dire pendant qu'on est en train de faire notre chef-d'œuvre, peut-être vous pourriez faire quelque chose aussi. C'est la vie trop agréable. Faites votre vie quoi, notre vidéo elle est naze alors. Mais non, pas du tout. Peut-être vous pourriez par exemple vous abonner, mettre un commentaire. Ouais, ça. Elle a eu la une lueur. Cloche, tout ça quoi. Tu pouvais ne pas refaire ta blague. J'ai voulu activer la cloche. Je sais qu'elle a plu à certains. J'ai voulu tenter du doré, mais ça fait un peu caca. Du coup, on mettra de l'argenté. Et je pense qu'il faut vraiment que j'utilise des coton-pige pour effacer tout ça. Parce que là, c'est bavouillant. Hein. Je voudrais pas dire, mais t'as vraiment travaillé comme un cochon. Mais non, ils sont gros mes feutres. C'est pas possible. C'est complètement foiré. Mais non, t'es pas là. T'es vraiment méchant. Lui, il est content que je loupe. Bah, d'habitude, t'es très contente que je loupe aussi, je te signale. Hein. Pas du tout. Si, vous pouvez en témoigner, je pense. Pas du tout. Non, elle se moque jamais de moi hein, quand je me loupe, hein. Non. Alors ici, je vais faire rose et un petit peu de blanc. Bon, en tout cas, ça brille. C'est métallique, quoi. Putain, il m'arrive même pas. Il m'énerve. Il est trop concentré. Oh, la tête de fouine qu'il doit avoir. Je l'ai pas regardé, mais j'imagine. Il devait faire un peu comme ça. Mettez une note sur 20 à mon imitation. Et vous aussi, à vos heures perdues, n'hésitez pas à imiter Stéphane. Julie veut lancer une discipline. Tu fais quoi dans la vie? Je suis imitateur de Stéphane. T'es un peu narcissique. Mais non, c'était une vanne. Bon, voilà, moi j'ai fini mon œuvre d'art. Enfin, Julie l'est lassée quand même. Julie m'a mis les lacets. Mais en vrai, j'aime vraiment bien. Moi aussi, j'ai fini mon œuvre d'art. Et bah c'est stylé, c'est pas le même style quoi. Donc pour la deuxième on va la faire hors caméra. Ouais c'est ça, parce que c'est un peu long, voilà, ça a pas trop d'utilité. Moi la mienne, enfin la deuxième je vais essayer de la faire dans le même délire. Moi aussi. Et puis oui, si tu fais différemment ça va être méga chelou. Et puis on vous fait des plans pour terminer la vidéo, pour vous montrer ce que ça donne au pied. Une fois porté. C'est ça, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu ce format du coup, où on est un peu plus posé au final quand même. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à plein de choses comme ça. Je peux pas clapper des pieds. Bah non, parce que si tu fais ça, en fait, si tu veux, on va pas entendre ce que tu dis. Bah, dites en commentaire celle que vous préférez aussi, oui, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on essaie de vous faire voter. On vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et patati et patata. Ah ouais, carrément, patati et patata. Ne quittez pas tout de suite parce qu'on vous laisse avec les plans du rendu final de nos magnifiques baskets. Elle marche toute seule. Allez, bye.